Il y a Romain qui leur négocie le plâtre, il arrive en Italie et il réussit à les convaincre, alors il lui file une tonne de plâtre, il vient nous voir et c'était pas le bon plâtre. Donc on était dans une merde noire et là on s'est dit on joue le tout pour le tout, Romain il reprend un camion et repart en Italie pour reprendre une autre tonne d'un autre plâtre en espérant que cette fois ce soit la bonne. Et là il est sur le retour avec son camion, donc on sait pas encore est-ce qu'on aura du plâtre, est-ce qu'on aura pas du plâtre. Alors est-ce que tu veux nous expliquer la situation? Rapidement, oui, il faut contextualiser, il est 7h, on vient de décharger une tonne qui est juste là, la deuxième tonne, peut-être de merde, peut-être de plâtre, et là on en a 25 kilos. 25 kilos. Tout l'enjeu est de savoir, en coulant, est-ce que c'est bon plâtre. Ok, Moi, ce qu'on cool. veut savoir, ce serait embêtant d'avoir 2 tonnes. Ouais. Je ne vous le fais pas dire. Comment est-ce que ça se passe pour l'instant, Simon? Je fais du déni de réalité. Non, 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 Simon. Simon, c'est pas vrai ce que tu Je te dis. jure, je suis déni de réalité. Non. J'essaie de me dire, ça va le devenir. Au niveau des mouvements que fait le plat dans le moule et tout, en tout cas, c'est pas celui qu'on a. Je dis pas Non. que. Ça, c'est sûr que c'est pas le. Oh C'est pas non. la crème. Oh merde. Hey, je voulais vous dire un truc. Ouais. Non. C'est pas le bon plâtre. Non. Non. Ouais. Ouais. Arrête, c'est pas vrai. Et c'est qu'est-ce qu'elle donne l'expérience? Mais en gros, Simon, il dit qu'il a pas les mêmes sensations. Non. Non, arrête. C'était vraiment pas pour la caméra. C'était mon nom le plus sincère. Je dis que c'est un plat de merde. C'est un plat de merde. C'est vrai que c'est vraiment un plat de merde. Mais rien que le bruit. Ah. Le bruit, c'est une putain de diarrhée, c'est l'enfer. Ça te Qu'est-ce fait rire, Massoud? qui se passe, Simon? Ça te fait rire. Tu peux vous Je expliquer ce qui se m'explique. passe? Parce que là, il y a 7 heures, je peux tout en faire des blagues, Massoud. Je peux t'expliquer de A à Z ce qui s'est passé. Le truc, c'est que le mouvement de ce plâtre, cette merde, je veux dire, est, comment dire, imprévisible. Il y a vraiment, bon, les maîtres plâtriers le sauront, en fait. Et du coup, des fois, t'as l'impression que le truc bouge pas. Donc, tu vois, tu dois être plus énergique pour le faire bouger. Ouais. Et là, il bouge d'un coup. Ce qui est un truc que tout le monde vit, tu vois, au quotidien. Et des fois, tu t'énerves comme ça, et puis tu casses des trucs. Et là, je me suis mis une grosse goutte d'un moustache. C'est pas un moustache, d'ailleurs. Et comme toute personne qui a eu du plâtre dans les poils, sait, ça fait mal, quoi. Puis c'était pas le moment, surtout, Massoud. Franchement, ça aurait été le bon plâtre, j'aurais été d'humeur à rigoler. Ah là là, encore du plâtre. Là, j'ai pas envie de rigoler, Massoud. Oh là là, le calvaire. Eh Romain, c'est quoi? c'est pas le bon plâtre. Les problèmes que t'as, Comment c'est ça? ça sert à faire de... Le plâtre? Pourquoi tu me sens en souriant? Parce que on attend ta réaction depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas le bon plâtre? C'est pas le bon plâtre. Mais c'est pas possible en vrai. Ça peut pas ne pas être le bon. Si c'est pas possible, alors c'est bon. C'est bon les gars, on arrive. Mais non, mais... Ça se passe ou pas? Ça se passe, ça se passe. Alors, Bissor, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette deuxième tonne de plâtre? Bah écoute, on espérait fort pouvoir sauter l'intermédiaire et directement aller chercher le plâtre à l'usine. Romain est allé une première fois, il est revenu avec une tonne. On était méga fiers de lui. Le plâtre s'est révélé être le mauvais plâtre. Et on a remarqué que l'usine avait plusieurs gammes de plâtre. Donc on est allé dans les fiches techniques, on a trouvé le bon plâtre. Et là, il a repris un camion, il est reparti en Italie. Il est revenu cette fois, on a commencé à faire la fête avant même qu'il arrive, tellement on était content parce que cette fois c'était la bonne. Il arrive, on décharge le plâtre, on met tout bien et tout, on fait une photo de nous avec le plâtre comme ça. Et là, on teste le plâtre. Et c'est de la merde. C'est le plâtre de merde. Bah franchement, c'était à faire. Parce que si ça avait été le bon plâtre, vous nous auriez tous applaudi. Je crois qu'il faut qu'on coupe tous les cordons bleus en deux pour que chacun puisse goûter chaque type de cordon bleu. Non, mais là où c'est triste, c'est que c'est les cordons bleus de Noël. C'est les cordons Attends, bleus de le Noël. problème du cordon bleu en soi qui est assez festif. Mais c'est juste qu'on n'a pas de famille, c'est ça qui est triste. Est-ce que t'es triste de pas passer Noël avec ta famille, Ouais. Simon? Mais on est ta nouvelle famille. Ouais, mais ça fait beaucoup d'hommes. Merci.
petit Papa Noël. Mais qu'est-ce que tu nous apportes, Père Noël ? Oui, j'apporte les cadeaux, mais après, Père Noël, non, on oublie, il n'y a plus de magie de Noël, il n'y a plus rien. Tout ça est mort. Regardez, on va faire ça par terre. Oh, c'est horrible. Ouais. Mais c'est-à-dire, il y a encore du dessert. Premier cadeau. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Merci. Ah, c'est un livre ancien. Hein ? Oh putain, il est chaud, il est tellement chaud. Il y a eu du papier bulle pour pas qu'il sache que c'est un livre ancien. Crime et Châtiment. Ah ouais. Oh, c'était... Mais c'est... de la Pléiade, parce qu'on l'avait déjà, mais on n'avait pas la Pléiade. Merci. Spermageddon. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Le nom, il est tellement marrant. Bonne question, mais il a des inquiétudes, puisqu'il a... Il a lâché 250 pages sur le sperme. C'est quoi ? Oh, il y a que Massoud qui a eu un vrai cadeau. C'est clair. Pas mal. Oh, ils se vendent dans le monde entier et tout. Le père de la vieille. Merci, Florent. Je sais que tu le regardais sur internet, Massoud. Mais j'ai vu comment c'était pas pratique. C'est pas ça que je regardais. Putain, mais c'est abusé comment on voit aussi ça. Oh, putain. Oh, fini les batailles de Madeleine. Putain, il sort. Tu régales. Oh, il est tellement chaud. Il régale tellement. Oh. Putain, on va couler l'entreprise. Tu vois, à chaque fois qu'on s'élore des cadeaux, qu'on est des adultes, on se dit, bon bah on va s'offrir des livres ou des chocolats. Et moi, comme je suis resté bloqué en enfance pour des raisons obscures qui ont à voir avec probablement un oncle, non mais t'es pas obligé de couper ça, mais juste tu préciseras que franchement je connais pas mes oncles, il n'y a pas d'oncle dans l'affaire. Mais ouais, comme je suis resté un gamin, je me suis dit, mais c'est évident, à Noël il nous faut des nerfs. Ça fait mal ? Ça fait vraiment mal. Ça marche plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arrêtez. Je vais leur montrer quand ma chaussette elle est croustillante. Mais qu'est-ce que tu fais dedans pour que ta chaussette elle soit aussi croustillante ? Mais en fait, je les porte pendant genre 2 semaines.